Je m'appelle Owen Matthews, je suis écrivain, romancier. Je viens d'écrire mon premier livre et je voulais présenter mon coup de cœur. C'est Per Olof Enquist, le médecin personnel du roi. C'était sorti en 2000 et j'étais extrêmement impressionné parce que c'est un livre historique. Et Enquist achève ce espèce de miracle de faire vivre un monde qui est absolument disparu, même pour lui, qui n'a jamais connu lui-même. C'est le monde de Copenhague dans le XVIIIe siècle. Et je trouve que la littérature la plus intéressante aujourd'hui, c'est bizarrement l'histoire, les romans historiques. Hilary Mantel, maintenant, a eu un énorme succès avec ses histoires de 16e en Angleterre. Mais vraiment, c'était Enquist qui a commencé ce mouvement. Il est romancier qui a cette façon de faire vivre, de prendre les faits, les gens réels, qui est une histoire bizarre, extraordinaire. C'est effectivement l'histoire d'une coup d'État dans le palais, avec un roi fou, avec sa reine et son amant, alors celle qui est son médecin personnel du roi. Et pour moi, le miracle, c'est de rendre un monde absolument ancienne, inacceptable, inimaginable, complètement humaine, et de faire vivre les caractères. Et bien sûr, tous les romanciers font son propre monde. Mais avec Enquist, j'ai vu que c'est possible de créer un monde d'une époque, des valeurs, des histoires absolument disparues et les faire vivre. Et c'est à cause de ça que j'aime bien Enquist.